Bonjour. Dans quelle équipe jouez-vous ? Bonjour, je m'appelle Joseph Lepi et je joue à l'USBCO. C'est l'équipe de football de Boulogne. Pourquoi avez-vous choisi ce club ? Alors, j'ai choisi ce club parce que en juin dernier, j'étais en fin de contrat. Et c'est un club qui m'a sollicité parmi tant d'autres et j'ai plus apprécié leur projet de jeu et leur projet de club. C'est pourquoi j'ai accepté d'aller jouer à l'USBCO. Comment vous vous êtes fait remarquer ? Alors, je me suis fait remarquer au centre de formation au Sénégal quand j'avais 13 ans par des essais que j'ai fait à maintes reprises. Et j'ai été remarqué parmi tant d'autres jeunes et j'ai intégré le centre de formation de Diambar au Sénégal. Depuis combien de temps êtes-vous footballeur professionnel ? Alors, je suis passé footballeur professionnel en 2013. Avant ça, j'étais au centre de formation au Sochaux et je suis passé professionnel en 2013. Si vous n'auriez pas réussi votre carrière de footballeur, quel serait votre métier ? À votre âge, je vais dire que j'avais un autre rêve que d'être footballeur professionnel. Je rêvais d'être chirurgien. Quelle est votre idole ? Mon idole, je ne sais pas si j'ai une idole, mais ouais, y a un joueur qui me plaît bien, c'est Steven Gerrard. De sa façon de jouer, de sa façon d'être sur le terrain et en dehors du terrain. Alors, mon entraîneur, il s'appelle Alain Pochat. Quel est votre plus mauvais souvenir ? Mon plus mauvais souvenir, il est dans ma tête. Si je vous le dis, je vais devoir pleurer devant la caméra. Et vu que j'ai pas envie de pleurer devant la caméra, je vais peut-être... Bon, je vais prendre en note. Mon plus mauvais souvenir aujourd'hui, c'est quand on est descendu en Ligue 2 avec le FC Sochaux. J'étais dans les tribunes, je me sentais impuissant parce que je pouvais pas aider les partenaires, donc... Je me sentais impuissant à ce moment-là et voir le club descendre, ça m'a déchiré le cœur. Donc c'est l'un de mes plus mauvais souvenirs aujourd'hui. Quel est votre plus beau souvenir ? Je sais que j'en ai plein, des beaux souvenirs. Donc, il y en a un récemment, j'ai épousé ma femme au mois de décembre. C'est un souvenir magnifique, merveilleux. Il y en a d'autres avec mes frères, mes parents. Donc j'en ai beaucoup des super beaux souvenirs. D'accord, merci.